Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Nbad et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La dernière fois on s'était laissé, je vous avais laissé là et j'avais dit, enfin bref, on avait quasiment fini les abîmes, les profondeurs au niveau de la geyser Gerudo. Donc toute cette zone là, vous voyez bien, à la surface on voit vraiment bien les délimitations. Donc il manquait en gros deux racines, deux sanctuaires. C'était celui-là, parce que du coup, deux sanctuaires à surface, mais deux racines dans les profondeurs. Celui-là et celui-là, parce que j'ai fait les sanctuaires au-dessus, donc c'est facile. J'y suis allé, en off, parce que c'est pas très intéressant. Il y avait pas grand-chose sur le... Enfin, il y avait rien sur le chemin, tout simplement. Mais du coup, on va tout simplement découvrir la zone. Par contre, je pense qu'en découvrant la zone, on va découvrir deux, trois petits trucs, je pense. J'espère. Racine Alas Inadou. C'est parti. Là, on aura... Vraiment, là, dans cet épisode, on aura totalement fini la zone. Ok, là. Ok, donc là on peut voir à l'ouest une zone Yiga, je pense encore. À coup sûr, ce serait une zone Yiga. Et puis voilà. Donc encore des monstres juste là. Et des Yiga par là. Bon, bah on va explorer un peu. Et bon, enfin sur les lieux. Merci. Donc j'ai eu le bon, ça c'est cool. Je sais qu'il y en a d'autres. Je vais essayer de faire les autres quand même, hein. Pas abusé. Voilà. Alors, ok, donc là il y a des bananes. Ça, faut péter ça. J'ai évité de prendre mon. Ma meilleure arme pour ça, quand même. C'est un peu inadapté. Par contre, du coup, là il y a une note, d'accord. Et hier, j'ai vu un monstre qui ressemblait à un Ilien, sauf qu'il brillait. J'ai paniqué et je me suis enfui pour aller faire un rapport. Mais mon supérieur, c'était pas là. Ce que j'ai trouvé en revanche, c'est une note parlant d'un mal de ventre assez important, à mon avis tenaillé par la faim. Il a simplement craqué et mangé une luciole de l'ombre. Ok, le mec a craqué. J'aime faire les autres quand même. Avec un œil, pourquoi pas, ouais. Mauvais côté, malheureusement. Merci. Merci. Je vais le looter, bien évidemment, parce que j'aime les rubis. Il est où, par contre, l'autre, le dernier? Faites bien. Let's go. Ça, c'est du snipe. Là par contre on a vraiment fini la zone. Donc là on a fini la zone là, ouais. Un petit dernier là et puis on sera bon. Ouais, un petit dernier là et puis on sera très très bien. Et c'est parti pour aller à la dernière juste là-bas. J'ai pas envie de me TP parce que si je me TP j'ai perdu mon véhicule volant. Et comme j'ai envie de le garder, bah voilà. Allez, si tu pars. Ok, je vois la racine là-bas derrière, j'en vois une deuxième à gauche je crois. On va essayer de faire les deux en même temps. Les deux de suite. Ça pourrait être pas mal là. Et un Linel, au secours, je me casse! Tire-toi vite, Link, tire-toi vite, sinon je vais mourir. Bref, on a enfin réussi à aller jusqu'au. Racine Akimak Alut. D'accord. Let's go. Ok, donc. Il n'y a pas grand-chose, encore une fois. Par de l'eau à l'est, je pense que c'est de l'eau, hein. Par de l'eau juste là, je vois pas grand chose. Mais il y a quand même une racine, donc je vais essayer de la faire. Une racine juste là. Ouais, j'essaie de me la faire. Parce que je crois que c'est quand même chez les. Ouais, c'est encore chez. Ouais, c'est ok, c'est chez encore chez les Gerudo. Let's go. On va bien voir. Bref. On enchaîne. Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Enfin, avec une zone Yiga ou quoi, donc je trouve ça pas très utile, on va dire. Je vais continuer avec ma magnifique machine volante tunée pour qu'on voit un peu plus quand même. J'ai une petite fleur des familles. Bref, allez, c'est-y par. Moi, je suis arrivé à la racine Otis Adouk Akal, mais j'ai vu qu'il y en avait une par là aussi, donc je vais jeter un oeil. Ok. Bon, bah, encore pas grand chose, j'ai l'impression.
encore pas grand chose. Effectivement. Parce qu'on avait déjà exploré. Ah là. Il y a un petit creux ici quand même. Faudrait que j'aille voir. En tout cas, je vais juste aller voir l'autre racine que j'ai vue en y allant tout simplement. Super. Ouais, elle est juste là. Du coup, j'étais là. Je fais ça parce que bah, le noir, on peut pas traverser, hein, bien évidemment. C'est des grandes. Bah, ça va jusqu'au haut. Donc voilà. Je fais une petite pause au milieu. Et on est reparti. Là, il va falloir descendre à pic, là. Parce que. Après, bah. Parce qu'il faut descendre, tout simplement. Je vais peut-être tenter ça. Bien sûr, c'est une très très bonne idée, mais. Ça a vite fonctionné. Bref. Je vais aller là-bas. Si je peux survivre en allant là-bas, ça peut être cool. Ok, c'est bon. J'y suis. C'est parfait. Et je pense que là, on a fait toutes les racines possibles, imaginablement. Racine. Ako Ilaus, d'accord. Ouais. Ok, donc il y a encore un autre lac à côté. Bon, il n'y a rien à explorer ici, encore une fois. En tout cas, j'ai l'impression. Ouais, là, il n'y a rien. Là, bon, c'est des zones de construction comme d'hab, hein, vous connaissez la petite porte. Le seul truc vraiment qui me fait tilt, c'est ça. Et oui, en fait, j'ai oublié de noter, mais. En allant de là à. Je sais plus. Je crois qu'il y a un linel dans ces zones-là, en tout cas. Bref, je sais plus exactement où, mais je me souviens quand j'étais allé de là à là, il y avait un gros linel quand j'étais en train d'y aller. Genre peut-être entre le bazar à sec, entre la mine abandonnée à sec et cette racine. Bref, je vais jeter un coup d'œil ici, ensuite on aura vraiment tout fini, je pense. Donc c'est cool. Bref, let's go. Je vais essayer de retrouver ma machine quand même. C'est pas mal si je peux sauver ma machine. Où est-elle? Je crois que c'est un peu compliqué pour la retrouver. Ok. Ville, mine de la vallée Nabo. Ah bah Nabo. Bien évidemment, référence au sage. Sage dans Ocarina of Time, bien évidemment. Tout simplement. Y a-t-il quelque chose? Ok, il y a un coffre. Let's go. Il y a un petit coffre des familles. Avec. Oh, let's go. Un cristal d'énergie sonore. 50 et on pourra avoir notre troisième batterie complète. Puis voilà. Bon, là par contre, on a vraiment tout exploré. Là, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui me dit ouais, mais t'as pas tout exploré chez les Gerudo dans les abîmes, je suis en mode non. Genre, si tu regardes bien, là il y a tout. Là, il y a littéralement tout. Le seul petit couac, c'est que en fait, il n'y a pas de racine là. La seule racine, la racine qui va compléter cette petite partie chez Gerudo, c'est celle-ci. Mais du coup, bah, c'est pas chez Gerudo, donc j'y vais pas. Bref. En 8 minutes, en 8 minutes d'épisode, on a vraiment complété totalement la zone des Gerudo. En plus, je pense qu'on a quand même pas mal exploré, on a tué pas mal de boss, on a trouvé pas mal de coffres, je pense. Donc, on est bien, c'est parfait. Voilà, on a fait pas mal de schématiques, Iga, enfin, de camp Iga. Voilà, c'est stylé. Allez, bon, bah, on va faire autre chose. Vous pensez à faire autre chose, quand même. Je sais pas du tout. Je sais pas si je continue à explorer les abîmes à d'autres endroits. Ça pourrait être sympa aussi, hein, quand même. Ou alors, je pars chez les Zoras. Sinon, je vais peut-être pouvoir faire d'autres. C'est de pouvoir faire d'autres quêtes. Je sais pas du tout. Ah, je sais pas du tout quoi faire là. Ok. Je regarde un peu les quêtes que j'ai à faire. Les animaux de boss, d'accord. Les cerfs qui tournent. Les bains secrets. Une pièce en glacitelle rouge d'Akala. L'œil gauche du crâne. Et un arbre minéral dans la plaine Hyrule. Ouais, ça c'est. Pourquoi pas tenter la quête du démon? J'ai combien de pièces? J'en ai une. Il faut en avoir. Alors, il y a. Reviens en ce lieu sous l'apparence du démon. Ses atouts sont dissimulés dans trois cagettes. Une pièce en haut de la citadelle rouge d'Akala.
Bah, faut que j'aille dans la cité d'Akala. L'œil gauche d'un crâne et un arbre millénaire de la plaine d'Irul. Et un arbre millénaire de la plaine d'Irul. On est parti pour faire ça. Déjà, on va aller dans la citadelle d'Akala. On pourrait peut-être y aller. Ok, c'est par rapport à monter là-haut, tout simplement. J'espère que ça va être facile. Enfin, avec toute mon endurance, ça devrait le faire quand même, faut pas abuser. Ok, on arrive sur les lieux, tout simplement. Oh, donc il y a une grotte. Il y a une grotte. Une grotte dans le coin. Ça, c'est sûr, je me suis fait avoir comme un débus. Forteresse d'Akala, d'accord. Une grotte, ok, une grotte juste là. Let's go les rubis. Ok. Nouveau. Grotte de la forteresse d'Akala. Ok, donc déjà il y a des trois gobelins, ça c'est sûr. Je vais aller en haut. Oh, champignons grillés, d'accord. J'ai tout de suite graillé carrément. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour leur faire très très mal? Je vais prendre allez ça. Nice. Il est dead. Qu'est-ce que je peux prendre ça ensuite? Mais j'ai pas d'armes moyennes, j'ai plus d'armes moyennes. Si j'ai ça. Ouais, j'ai ça. J'ai quand même ça, effectivement. Je vais prendre ça, voilà. Let's go. Oh non, je crois que lui il est costaud lui. Nickel. Je les ai tous eus. Petit coffre en plus. Je regardais juste forte. Oh ok, ok. Je regardais juste un truc. C'est vrai que quand j'y repense, en fait on est au milieu de trois zones. Il y a la zone des auras, la zone Tordine et la zone d'Akala. Fait que c'est. J'aime quelque chose hein. Long et long bâton de la garde. Stylé. Mais je défais. Parce que c'est très bien comme ça. Ouais. Je vais essayer de mettre un bon truc sur le bâton. Genre par exemple. Ça. Ou ça. Ça, c'est genre ça. 53, ouais, c'est bien ça. Ouais. Et là, 33, ouais. Là, je vais prendre ça aussi et je vais mettre sur l'espadon. Waouh. La puissance du truc. La vache. Ok, alors. Bah, y'a rien. Donc, 88, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Hein. C'est aberrant. Même ça, ça fait moins de dégâts.
Alors, on doit prendre ça. Waouh, des cristaux de sel incroyables. En vrai, y a pas un autre endroit où aller là? Faut que j'aille en haut, c'est ça? Je ne sais pas du tout. Alors déjà, il y a un coffre. Ouais, ça doit être là. Ça, ouais, faut aller là, c'est sûr. Y'a vraiment rien à prendre. Je vais où comme ça? Je vais tout en haut là, clairement là je vais tout en haut. Effectivement, je vais tout en haut. Effectivement, je vais littéralement tout en haut alors qu'il y a un sanctuaire juste là, incroyable. Non, je préfère continuer à explorer la caverne. Je préfère. Ouais, je vais aller là-haut. Bon, je vais aller bien aller là. Faut pas abuser. Juste aller là. Pour. Où est mon épée de légende? Pour péter ça. Merci l'épée de légende. Tu me mets très bien. Et toi? Merci, t'es mort. T'es pas mort, d'accord. Bon, maintenant t'es mort. Et un 23e cristal d'Elusis. C'est parfait. Bah, je crois qu'on a fini la zone. Hein. Je pense qu'on a fini la zone. Je crois que j'ai juste pas pris le coffre en fait pour rentrer. Ouais, ah si je l'ai pris, si je l'ai pris. Ok, c'était une hallebarde. Bon, par contre, alors, est-ce que je remonte là? Ou je suis le chemin? Allez, j'ai remonté là. J'ai remonté là et on descendra par le chemin pour voir si j'ai pas oublié des trésors, des coffres, tout ça. Même des monstres. Ok. Nickel. Alors. Oh non, il y a des mains. Oh non, il y a des mains. Je suis trop proche, je crois, pour tirer. Donc je monte ici. Je suis mal placé encore une fois, j'ai le seum. Il faut que je prenne des bombes. Ok, nickel. Nickel, ensuite plus que le fantôme de Ganon. Alors, est-ce que j'ai un plat d'attaque? J'ai encore des plats d'attaque, parfait. Je vais pouvoir me le faire plutôt facilement. On va utiliser ça. Hein. Et je vais prendre... plutôt ça. Hein. Ouais, plutôt ça. Il faut plutôt esquiver une de ses attaques. Je ne connais pas ses attaques avec la lance, typiquement, et ça me saoule. On dirait que c'est vraiment des attaques de points. Trop tard, d'accord. Je commence à comprendre les timings. Je suis très mauvais quand même. Mais frérot, arrête, par contre. T'abuses un peu là. Qu'est-ce qui se passe si je suis là, hein, par contre? Mais je suis très nul, hein. Je comprends rien à ces patterns là. Merci, enfin. Oh, oh, j'ai failli mourir. Mais wow, arrête, s'il te plaît là, Link. Merci. Je bien timer le saut et tout va bien se passer. Ah, un poil trop tard.
Là c'est bien. Là c'est nickel, il est mort. Let's go, avec une hallebarde mathématique, d'accord. C'est pas mal ça. Ouais. Mais nickel, ça c'est nickel. Avec deux arcs du roi démon. Là je récupère mes cœurs et du coup bah j'ai... Un cœur c'est deux dégâts. Ouais 22 et là 24, ouais 24. C'est logique. Alors... Du coup ouais, c'est ça. Bon bah les mains sont mortes au moins, ça c'est cool. Du coup j'explore un peu la zone quand même. De voir des coffres plutôt sympathiques. Déjà il y a quoi le... Le morceau d'armure du roi démon. Albert de la garde royale. Stylé. On dirait qu'ils sont en petit nouveau skin parce qu'ils sont plus trop noirs comme avant. Voilà. Ok, il y a quoi d'autre? Alors là, il y a des trucs sono. En tout cas, c'est. S'il y a pas de miasme comme dans Breath of the Wild. Dans Breath of the Wild, c'est une galère parce qu'il y avait plein de. Il y avait des trucs de partout. Il y avait des. Bah, dans Breath of the Wild, c'est pas des miasmes. Je sais plus comment s'appelle, de la rancœur, je crois. C'est la rancœur de Ganon. Bref, sanctuaire Domi Zuino. Ok, le chemin couché. Qu'est-ce que ceci? Là, mon sapin sur une infiltration. Je sais pas du tout. Je vais prendre ça. Y a-t-il un coffre? Ok, le coffre est là. Quel? Moi, tout ce que je veux, c'est avoir le coffre. Je me mets là. Ah, il y a un autre coffre ici. Oh, la chance. Je vais tout de suite tomber sur mon coffre. Oh, pas mal. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien, apparemment. Faut aller où, quand même? Pour savoir. Ok, faut aller là-haut. Ouais, faut aller là-haut. Le coffre est là. Ah, il y a plusieurs coffres. En fait, il y a trois coffres. Bouclier de son ultime, ça c'est cool. Ce sont de très bons boucliers, donc moi ça me va. Ensuite. Je peux l'ouvrir celui-là? Nice. Cloche en bois, là c'est bon, j'ai tous les coffres quand même. C'est bon, j'ai tous les coffres. Donc tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller là-haut. Comment je vais faire ça? Ouais, je sais pas du tout. Laissez-moi réfléchir. Ok, je crois que j'ai compris. Faut mettre ce pilier droit, comme ça on peut infiltration dedans. Comme ça ensuite on peut aller tout en haut. Et une fois qu'on est tout en haut, bah c'est gagné en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, j'ai quand même un peu galéré, hein, clairement. Et bon, c'est passé, c'est tout ce qui compte. Let's go. Et une lueur en plus. On est à 4, parfait. Je vais prendre un cœur en plus. C'est parfait. Plus ça me régène. Tout est parfait. Oh non, il pleut. Par contre, alors... Bah j'ai continué à explorer un peu quand même. Voyons voir.
Bouclier, c'est bon. Arc, c'est pas bon. Je vais devoir prendre ça. Peut-être qu'il y a quelque chose là, non, il n'y a pas quelque chose là. Bon, on va partir par là du coup. On va bien voir si on va trouver quelque chose. Petit champi silencio. Est-ce qu'il y a des choses à lire ici? Et non, malheureusement. Et là? Non. Oh, il y a quelque chose. Il y a quelque chose juste là. Après, comment y accéder, je sais pas, mais il y a quelque chose juste là. Ouais, il y a quelque chose ici et je pense qu'il faut y accéder. Parce qu'on a bien vu, la porte, elle était bloquée, donc... Il doit y avoir quelque chose. Ouais, oui, la porte, elle est bloquée juste là. Comment faire? Allons voir. Peut-être quelque chose là. Hein. Moi j'explore tout, hein, littéralement. Je suis que dans le moindre détail. Mais il y a bûche là par contre là. Merci. Ok, donc il y a une lumière ici. Il y a vraiment rien. À part le truc, il y a vraiment rien. Je m'étonne un peu. Je vais continuer à explorer parce que ça m'étonne. Hein. Alors, je tournais autour de la zone. Et puis j'ai vu ça. Et puis je me suis MDR. Et puis je me suis dit, punaise de MDR. Parce qu'à la base, ce que je voulais faire, c'est que je voulais rentrer dans cette grotte. J'ai mis un pin ici et je voulais rentrer par en dessous. Je sais pas si ça aurait marché. Mais en tout cas, il me fallait juste tourner autour, vraiment, je suis le pire, j'ai pris littéralement 15 ans. Bah après, il y avait de l'orage, donc je voyais beaucoup moins, franchement, pour ma défense. De nouveau, ah c'est même une grotte, ok. Grotte du sommet de la forteresse. Avec des bombes. Ok, donc ça doit être là, ouais, le... Il doit être là, le... Le truc. Quand je dis le truc, c'est le. Une partie de l'armure du roi démon. Exactement, voilà. Ok, apparemment, il y a un petit trou juste là. Il est ouf. Est-ce que je peux t'avoir comme ça? Merci. La violence, effectivement, la violence à l'état pur. Pas très gentil de faire ça, mais c'est un élucis, donc je peux me permettre. Allez, let's go. On va récupérer ce coffre qui a l'air fort sympathique. Armure du dieu démon. Cette tenue appartenait au héros d'un monde menacé par la lune. Effectivement, Majora's Mask. Elle confère à son porteur la grande force du dieu démon. Let's go. Magnifique. Magnifique. Alors, qu'est-ce que je veux? Il manque plus qu'un, c'est... parce que l'œil gauche d'un crâne, j'ai déjà fait. Et un arbre millénaire de la plaine d'Hyrule. Ça, par contre... Ça va être compliqué, parce que le plein d'Hyrule, en gros, c'est là, c'est tout là. Arbre millénaire serait peut-être le cerisier. Je vais aller voir ça. Non, ça peut pas être ça, il y a vraiment rien à côté. Bon bah dommage, hein. Je me vaincu, enfin pas vaincu, mais je sais pas du tout où pourrait être le dernier par contre. Genre vraiment, j'ai aucune idée. Je vais prendre un cheval en 2 secondes. Let's go.
Et t'abuses là. Qu'est-ce que je veux? Non mais... Y'a pas de... Y'a pas de vieux... De vieil arbre là. C'est relou ça. Ah, toujours la petite technique pour avoir un petit endurance sur un cheval. Mais c'est relou ça. Bref, bon bah tant pis. Que faire alors? Oh, file des bras. Ça, est-ce que je peux le faire en soi? Lance trône, nouvelle tenue du prodige. Salut trône. Déjà l'enseignement, ça je peux pas, les trois frères des grottes. Ça je pourrais le faire en soi. Le secret des héroïnes, ça je peux pas le faire. Pour l'amour du puits, bon voilà, profiter des dalles. Ok. Tant pis. Ça va partir chez les Zora. Ça va simplement partir chez les Zora, tout simplement. Partir de là. Il y a rien d'autre à faire de toute façon. Ok, domaine Zora, c'est qui part. C'est par là. Toujours le mec qui est paumé là, bien évidemment. Allez, on y va. On y qui part. Là-haut déjà. Qu'est-ce que c'est que cette bouillasse et puis tous ces rochers qui bloquent le chemin? Ouais. À mon avis, être un oiseau ou un poisson, impossible d'atteindre le domaine Zora sans emprunter cette route et à l'impossible, nul n'est venu. Ok. Alphine, d'accord. C'est vrai que ça a l'air un peu galère de passer. Hein. Je vais abandonner. Qu'est-ce qui passe si je fais ça? Oh, ça va, ça fait pas de dégâts. Ça va. Oui, je vais faire ça et puis tout va bien. Je fais des shield jump et tout va bien. Bon, c'est vrai que c'est un peu dégueu. Hein. C'est un peu dégueu dans le sens où. Je sais pas ce qu'ils ont fait les auras, mais. Je crois que c'est compliqué. Hein. Quoi? Il y en a encore un. Ah, il est là-haut. My bad. Je ne l'avais pas vu. Let's go! Petit gros en plus. Ça fait plaisir. C'est pas pire que le sable des Yaudo et c'est pas pire que... Prends toi, je vais t'avoir. Toi, tu n'es pas prêt, je vais t'avoir. Et je vais récupérer tes loot absolument. Ah, il n'y a pas eu de dieu, ok. Là, je voulais son œil. Toi, t'es mort. Pourquoi tu m'as vu? Je voulais t'avoir par surprise. Il est même pas drôle. Bref. Donc le chemin il continue par là. C'est par là, d'accord. Pas l'air foufou. Au courant que t'es mort toi. Ouais voilà, merci. Allez, un oeil s'il te plaît, un oeil. Ok, nickel, il y a eu un oeil, c'est sûr. Il y a eu une carpe, je voulais pas ça, mais s'il veut, parce que c'est pour améliorer les vêtements, pour améliorer mes équipements, et j'ai besoin d'oeil du octo. Allez, c'est y part. Ok, donc le domaine sera c'est par là, ouais, c'est ça. Et tu pars. Encore toi. Non, mais je vais pas l'avoir comme ça. Je voulais l'avoir direct. Ok, donc. Je prends toujours ça, hein, c'est toujours utile.
Même si bon, y a pas un œil à chaque fois. C'est toujours utile. Des petits ponts avec des. Oh, faut voir ici. Non mais vas-y, mais je suis un pro pour le pumpkin ou ça se passe comment là? Ok, tentacule octo, je prends. Encore un? Mais il est où celui-là? Ah, il est là-bas. Merci. Ok, un œil, c'est parfait. Let's go. Continue par là, je pense. Ouais. Champi Sincio, d'accord. C'est quand même étrange, hein. Très étrange parce que c'est violet en plus. C'est bizarre. Bon, je vais continuer mon avancée. Oh, une caverne. Une caverne juste là. Toi t'es mort. Toi t'es mort aussi. Merci. C'est quoi ça? Ah, une lance aura, d'accord. Ok, donc ça. Ok, donc il y a une caverne à proximité, mais je ne sais pas où elle est. C'est bête ça. Putain, elle est où? Oh. D'ailleurs, quand on parle de Korogu. J'ai pas parlé de Korogu, hein, mais bref. J'essaie de faire une transition. Ah, le jeu lag. Dingue. Là-bas. Ah ouais, c'est là la grotte. Ah non, c'est pas du tout. J'ai rêvé. À gauche. Mais c'est quoi la taille de. Quoi la taille du truc là? Enfin. Alors, la voyure. Alors. Bon, là, il y a un coffre en tout cas. Mais il peut pas là? Bon, d'accord. Ah non, je peux pas faire ça. Pourtant, je le tire là. Tire à fond là. Je peux faire plus. Bizarre. C'est très bizarre. Comment on enlève ça? Peut-être avec de l'eau. Ouais, peut-être avec de l'eau. Un fruit d'eau. Oh la vache, trop intelligent. Là j'en bois, d'accord. Je fais tout ça pour ça, d'accord. Je reviens en arrière pour retrouver le chemin. Donc le chemin il est là. Il est là. Rien là, ça m'étonne rien. Et là, toujours rien, d'accord. Je peux aller me faire voir littéralement. Non, en vrai, c'est relou. Je trouve pas la caverne qui est censée être là parce qu'il y avait clairement un lapin. Bon, bref, continue. Ouais, rien. Ok. Ah, c'est peut-être là. Ok, je suis ambigu. C'était juste là. Nouveau grotte du morne bois. D'accord. T'es mort, merci. T'es mort aussi. Putain, je fais des dégâts. Et y'a quoi? Bouclier Zora. D'accord, si tu es. Ensuite. Elle a l'air grande cette grotte quand même. Crabe enduro.
J'aime Nox, d'accord. Moi, je vais explorer la grotte. Hein. Ok, petit cristal de vis. Franchement, elle est énorme cette grotte. Énorme. J'espère qu'il y en aura qui auront la rêve, sinon je me sens seul. Ok, donc encore par là. Il y a une autre entrée juste là, apparemment. Ouais, il y a une autre entrée juste là. Pour la même grotte. On va continuer. Hein. Je pense que j'ai pas du tout fini la grotte. Ouais, je viens de là. Il y a une entrée aussi par là, donc je vais aller là-bas par maintenant. Ok. Ouais, il fait jour. Incroyable. Encore une troisième entrée pour la grotte, apparemment. S'il te plaît. Merci. Ouais. C'est stylé. Oui, ok, donc quand je cherche la grotte, elle était justement juste sur ma droite en fait. Alors littéralement. Je suis embêté pour rien. Bref, bon, bah, on va continuer. Hein. On va continuer à suivre le chemin. Bien évidemment. Bah je comptais prendre de la hauteur, tout simplement parce que je veux prendre de la hauteur, parce que j'aime bien prendre de la hauteur, vous me connaissez, pour voir les environs, et paf, qu'est-ce qu'on voit, un puits. Ça m'étonne un peu parce qu'un puits ici, il n'y a pas de relais, mais bon, puits du mort de bois. Alors. D'accord. J'arrive où? Oh, grande vigueur. J'arrive où, j'arrive où. Ok. Corne de glam soldat. Il y a une note ici. Attends, j'ai consacré ma vie à la cuisine et de nombreux ingrédients, ouais. Et, mais ce n'est pas le cas de l'espèce de corne mécanique bizarre qu'en voyageur m'a remise. La cure au feu, la vapeur, la faire bouillir, rien n'y fait. Et non. Chef Ratatam. Et non pas Ratatouille, c'est Ratatam. Clairement, clairement au rapport. Je vois. Bon bah, petit puits fort sympathique, on apprend des choses. Et effectivement, les cornes de golem soldat, ça ne se cuisine pas, parce que c'est juste du métal en soi, ou c'est du sonium, mais c'est. Y a rien de comestible. Bref, continuons vers le sud. Enfin, vers le chemin, quoi. Le chemin, il est au sud, je pense. Ouais, bah là, ici, quoi. Continuons par là. Ouais, bon, bah, du coup, je continue mon chemin. Ouais, tant qu'il y a les panneaux, c'est bon. Enfin, les panneaux, les lanternes, plutôt. Les lampadaires. Alors, j'ai sauvé un mec, Sarnis. Il m'a filé juste un plat. Je passe mes journées à parcourir les rues à la poursuite de toutes sortes de proies. Là, pour le compte d'un certain Coltine, je cherche un Elusis, une mystérieuse créature qui vivrait dans les grottes. Là, ok. On m'a dit qu'il devrait y avoir une grotte dans laquelle se cache un Elusis pas loin d'ici. Alors, soit c'est la grotte qu'il y avait avant, soit c'est une grotte qu'il y a bientôt, donc je vais essayer de rester à l'affût quand même. Ouais. Ok, donc il y a clairement une grotte là. On peut le voir avec le. Avec le lapin encore. Je les appelle lapin mais j'oublie leur nom, on voulait pas. Oh non. Je les aime pas. Yo, elle est où la grotte? Non, il a pas le droit de faire ça. D'où il y a de l'eau alors qu'il est mort. C'est où? Faut trouver la grotte. Il m'a saoulé. Quoi? Merci. Flèche en bois, ok. Corne les alphos, nickel. Où est la grotte? Peut-être plus par là, je ne sais pas. Ouais, plus par là. Let's go. Eh, magnifique. Magnifique. Nouveau, grotte du pont d'Orlaine. D'accord, donc on arrive au pont d'Orlaine. Certainement. On est déjà à 44 000 épisodes, ça passe trop vite, c'est aberrant.
Ok, il y a peut-être quelque chose qui est caché ici. Ok, non. Alors. Il n'y a rien là, je reconnais. Ah si, faut aller là-haut, d'accord. Comment je vais là-haut par contre? Je pense qu'il faut juste grimper avec Ouais, faut juste grimper avec ça, avec élévation. J'espère que c'est juste ça. Hein. Je crois qu'il va un peu haut, Link. Effectivement, il va un petit peu haut. Ah non, mais je suis bête. Faut faire un radeau, comme ça on va pouvoir aller juste en dessous de l'endroit en question. Ouais, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Ouais, faut que je me mette là, là-bas. Voilà, là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clairement ça. Trop facile. Avec un petit coffre en plus incroyable et des bombes. C'est parfait. Espadon royal. Ça j'aime bien. Le truffel. Ouais, je vais pas le prendre parce qu'il. Il est pas très durable, on va dire. Ouais, je vais pas le prendre. Allez, si, je vais le remplacer. Je vais remplacer mon maillet actuel. Mon marteau actuel. Faut juste que je trouve un caillou. Il y a un caillou juste là, parfait. Prendre ça. Ah bah je peux pas prendre le caillou, parfait. MDR, pourquoi je sais pas, mais je ne peux pas. Nickel, on a fini la grotte. Ok, nickel, je prends un caillou, c'est parfait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on a bien avancé. On est parti de là et on a fait toute cette partie là. On a fait la moitié des auras. Et surtout on a totalement fini d'explorer les Gerudo. Là, les abîmes des Gerudo, c'est assez stylé. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à une prochaine. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être ouais, peut-être après-demain, je sais pas encore. En tout cas, je vous dis à une prochaine. Surtout n'oubliez pas le like, c'est très important si vous avez aimé la vidéo, le dislike si vous avez pas aimé. L'abonnement aussi, ça fait vraiment plaisir. Je sais qu'il y a encore beaucoup de monde qui regarde la vidéo mais qui ne s'abonne pas, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager pour qu'il y ait plus de monde qui regarde la vidéo. Et enfin, si vous avez quoi que ce soit. Une astuce, ce que vous voulez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Allez, d'ici là, partout bien. Tchuss.